maintenant à l'arrivée du rallye des Routes du Nord. C'est le deuxième rallye, c'est la première fois à l'arrivée. Comment ça s'est passé ton rallye? Ben super bien, on s'est amusé, on apprend à connaître la voiture. Monsieur? Bon, ça a été, après on a bougé un ballon. Mais après voilà, ça arrive quoi, on peut pas être parfait quoi. On est là, c'est ce qui compte. Ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier que tu fais là? Il y a des beaux poulains, je vois sur Facebook. Ouais, c'est vrai. On est éleveur de chevaux de sport, JD Dressage. Donc on fait en moyenne 6-8 poulains par an pour le sport exclusivement. Qui sont à vendre? C'est ça, chaque année on les vend. C'est ça. Le prochain rallye? Le Centurion. Centurion, peut-être le Marcanterre, je sais pas, on se tâte encore. On va voir. On va voir, peut-être qu'on ira au Marcanterre. Il y a peut-être moyen qu'on le fasse. Ouais. Ouais. On s'amuse bien, donc pourquoi pas. On va continuer sur la lancée. Ouais. C'est le deuxième rallye, mais ça marche déjà très bien. Ouais. On s'amuse de plus en plus, on va un peu plus vite à chaque fois, donc voilà. Ouais. Autant profiter. Non. C'est clair, tant qu'on peut. Petit à petit, tu vas y arriver, il faut laisser le temps, c'est l'expérience. C'est ça, après on peut pas être bon dès le départ, hein. C'est comme dans tout. Hein. Le foot, on commence, on est nul, on devient bon, bah, c'est pareil. Johanna, est-ce qu'il y a des personnes à remercier? Mon pilote, déjà. Ouais, déjà. Bah, toute la famille, tous les amis, l'assistance, tous les copains qu'on a rencontrés ici, tous les officiels, les commissaires, photographes et vidéastes, tous ces gens-là, quoi. Une bonne équipe. Bah, rendez-vous au Marcanterre ou au Centurion. À bientôt. Avec plaisir.